Alors, Natalia, c'est le grand jour. Fedor Fedorovitch, vous n'imaginez pas comme je suis heureuse. Le passeport, il a fini par arriver. Vous aviez fait votre demande il y a combien de temps, Natalia? 20 ans, Fedor. Pour la dernière fois, je voudrais vous dire que... votre main contre ma joue, ce n'était pas un grand péché. Il ne s'agit pas de la main, il ne s'agit pas de la joue, ce n'est pas ça qui compte. C'est l'intention. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore à inventer? Qu'est-ce que vous voulez me faire revivre pour 5 minutes? Quelques pas à peine, dans la rue, dans ce chemin. Vous ne savez pas que le passé, c'est le diable, il faut l'oublier, Natalia. Ne soyez pas brutal, Fedor. Vous savez, il ne s'agit même pas du passé. Mon esprit est déjà en Pologne, c'est vrai, mais en même temps, il est ici, avec vous, dans ce bureau. Il vous faut redescendre sur Terre, Natalia. Le passeport. Vous allez retourner chez vous, vous allez reprendre vos petites habitudes, mais avec l'espoir maintenant. Votre ami s'occupe de tout. Refusé. Refusé. Je suis heureusement surpris de la façon rapide dont vous avez fait vôtre les principes des grands services de l'État, Natalia. Refusé. Oh, je n'ai pas fait ça, je vous crois pas. Vous avez tort. Je suis votre exemple. À votre contact, je suis devenue... comment disiez-vous déjà? Ah oui, une fonctionnaire ayant fait sien les grands principes du service de l'État. La dénonciation n'est-elle pas l'un des piliers sur lequel repose notre société? Je vais vous... Ah, je sais pas! Natalia, ton passeport vient d'arriver.